Comment devenir musulman? Pour devenir musulman, il faut d'abord croire que l'islam est la seule et unique religion, la dernière révélée, et qu'il n'y aura plus de révélation après celle-ci. Comme la Torah a été révélée à Moïse, Moussa, pour son peuple, l'évangile à Jésus, Isa, pour le sien, le Coran est la parole d'Allah révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour l'humanité tout entière. L'islam demande de croire en Allah, aux anges, aux livres sacrés, aux messagers, au jour du jugement et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Comme il y a des éléments dans la croyance en quoi nous devons croire, en opposition, il y en a d'autres en quoi il faut absolument mécroire. Ce qu'on appelle « al-kufr bit-tarout », mécroire au tarout, qui signifie littéralement rejeter l'idolâtrie. De ce fait, il faut rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tel que les statues, les saints, les idéologies non islamiques, les lois contraires à celles révélées, les marabouts, les devins, donc tout ce qui pourrait être adoré en dehors d'Allah. Allah Ta'ala dit dans le Coran, nous avons envoyé dans chaque communauté, un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du ta'arout ». La shahada, qui est l'attestation de foi, consiste à croire en ses principes de tout cœur et à mettre en pratique les commandements d'Allah à travers les actions suivantes, notamment la prière, le jeûne du mois de Ramadan, payer la zakat et accomplir le hajj au moins une fois dans sa vie. En islam, il n'y a pas de clergé ou d'autorité qui doit approuver la conversion d'une personne. De ce fait, toute personne convaincue par l'islam peut prononcer l'attestation de foi seule devant son écran. Si vous êtes prêt à faire ce pacte avec Allah, répétez après moi. Ash'hadu alla ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. Maintenant répétez en français. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Allahu Akbar, félicitations, vous êtes désormais musulman. Il est toutefois fortement recommandé de témoigner de sa foi une seconde fois dans une mosquée afin d'être accueilli par des frères et sœurs et ressentir l'appartenance à une communauté. Il est maintenant temps pour vous d'apprendre votre religion, en vous aidant, entre autres, de nos vidéos traitant des sujets essentiels. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, de vous guider sur le droit chemin.